Salut tout le monde, c'est Tom Gaming. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un pack opening de Clash Royale. Et donc ça sera sur la chaîne secondaire avec hashtag Game40. Sans hashtag Game40, pourquoi n'est-il pas là? Bien parce que tout simplement il n'est pas libre ce soir. Ouais, il n'est pas libre ce soir. Pendant tout le week-end il n'est pas libre. Du coup la deuxième vidéo sur la chaîne, ça sera ça la deuxième vidéo sur la chaîne secondaire. Donc il n'est pas libre, donc moi non plus je suis pas libre, mais je vous fais quand même la vidéo. Du coup il est pas là, voilà, il parle pas, hein. Mais ça sera sur la chaîne secondaire. Il y aura mon chest open, il y aura mon pack opening et il y aura son pack opening. Donc oui, c'est pas un pack opening trop bien parce que moi je suis à peine arène 1, donc on n'aura pas trop des trucs super, mais bon. J'aurais tant aimé gagner un coffre magique, ça aurait fait bien pour le dernier. Mais malheureusement, j'ai ouvert un coffre en or. Donc, je suis vraiment désolée, les amis. Et donc, on va partir avec le chest, avec le pack opening pour les deux coffres gratuits. Les deux coffres en argent. Le coffre en or et le coffre en or et le coffre à couronne. Je pense qu'on va faire comme ça, les amis. Ouais. Donc, c'est parti. Premier coffre gratuit. Donc, on a 23 d'or. Maintenant, on a un bombardier. Un archer. Une flèche, et voilà pour ce premier chest gratos. Et maintenant le deuxième, 24 d'or, un gobelin à lance, un chevalier, un mini PK, c'est cool. Donc maintenant, le coffre en argent, le premier, 16 d'or, un bombardier, une flèche, et un gobelin. Le deuxième coffre en argent, donc 17 d'or, un gobelin, donc oui c'est pas trop bien, hein. Un archer, et encore un mini PK que je vais pouvoir améliorer, et j'ai fait le coffre en or, donc oui c'est cool. Et donc 60 d'or, un chevalier, une archer, donc c'est pourri, une boule de feu, et un bombardier. Alors 7 bombardiers, ça va. Et le coffre à couronne, le dernier, et après on va se faire une petite attaque, parce que ça fait à peine 2 minutes, on l'a déjà fini. Et donc 3 gemmes, 3 fléchettes, 4 chevaliers, 11 gobelins à lance, et boum, cabane de gobelins. Et du coup, on va tout améliorer ça, comme ça on va pouvoir passer peut-être niveau 5. Donc, mini PK de niveau 3. Donc, je pense qu'on peut bientôt y passer, niveau 5. Gobelins à lance niveau 5. Donc voilà, en parlant du niveau 5, il est là. Voilà, donc j'ai fini ce pack opening. Donc il était pas long, hein. Mais bon, on va quand même faire une petite attaque parce que ça va pas être fini par 3 minutes de vidéo, quoique... Si, peut-être un pack opening qui fait 3 minutes, je sais pas. Hein. Donc j'ai encore un coffre en couronne, donc c'est cool. Et là, j'ai mon clan, vous voyez, Team YouTube, donc il y a 4 membres. Qui fait partie hashtag Game40, j'ai Coco Chanel. Donc je sais pas c'est qui. Je pense que c'est son frère. Je sais pas s'il a un frère. Et donc on va combattre un petit combat et on va se laisser là sur Clash Royale avec le pack opening. Et donc voilà, donc on va attaquer. On va se faire une petite attaque parce qu'on finit jamais les vidéos par une petite attaque sur Clash Royale. Bon, pas tout le temps, hein, je vais pas... Alors juste pour vous dire, l'intro de la chaîne va arriver, hein. Donc c'est hashtag TheGame40 qui va s'en charger de l'intro. Et du coup là, nous avons déjà le roi qui va mourir. Bon, il est pas mort il est mort un tout petit peu. Et le prince est en train de décapiter mes tours. J'avais même pas vu. Et donc, ça va, le roi va le buter. Voilà, donc on en a fini. Hein. Donc là, je sais pas pourquoi il vise tout le temps le roi. Donc là, on va essayer de viser le roi. Voilà, on le vise. En fait, pour viser le roi, voilà, là, il vise le roi. Donc là, hop, 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 hop. Donc là, en fait, avec les gobelins, ce qu'il faut faire, c'est défoncer l'armée des squelettes. Parce qu'elle est casse-couille. Elle vous saoulera tout le temps. Donc là, on va essayer de faire en sorte que ça attaque juste le roi. Bon, bah non, ça, je peux pas que ça attaque juste le roi. Ah si, là, j'avais trouvé le roi. Bah, du coup, on a perdu cette attaque. Donc, il m'a fait super combat, mais j'ai perdu. Donc, 10 trophées en moins. On va réessayer une petite attaque. Donc voilà, donc le coffre à couronne, hein. Tranquille. Donc, elle va durer 10 minutes, à mon avis, la vidéo. Parce qu'à mon avis, on va faire des petits combats encore. Puis voilà. Hein, et le pack opening avec des petits combats qui seront sur la chaîne secondaire.
Et donc oui, on fait encore du Clash Royale pour la seconde vidéo de la chaîne secondaire. Vous devez vous dire, what? Pourquoi vous faites tout le temps du Clash Royale? Bah parce que Clash Royale, c'est un petit peu la chaîne, c'est un petit peu le truc principal de la chaîne. À la base, ce qu'on fait principalement, c'est du Clash Royale. C'est pour ça qu'il y en aura en masse. Donc si un jour, il n'y a pas de Clash Royale, il y a Clash of Clans, ou il n'y a pas de vidéo pendant, je sais pas, 2 mois, ça veut dire peut-être que quelqu'un de nous, peut-être que nous deux, nous sommes absents et on ne peut pas gérer la seconde chaîne. Du coup, voilà, donc c'est juste pour vous dire que des fois, on sera, voilà, je vous ai dit, on sera pas tout en duo, donc voilà, là, je suis pas en duo, je suis tout seul. Et que pendant la première vidéo que je l'avais avec moi, hashtag TheGame40, j'étais pas chez moi, parce que comme il vous a dit, j'habite très très loin de chez lui. Donc il a dit où j'habitais, donc j'habite en Lorraine, donc c'est très très dur de se trouver. Après, la chaîne secondaire sera tout le temps active quand il y aura quelqu'un. Mais s'il y a personne qui est libre, elle sera pas active. Et puis il y a aussi nos chaînes à gérer, du coup ça va être très très dur de faire en sorte d'équilibrer la balance, comme dirait mon confrère. Oh là 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 là, c'est le drame les amis, le mini PK va me défoncer, voilà c'est le drame. On est dans la merde. Ah, il pleure, mais il a gagné. Hein. Pourquoi il pleure alors qu'il a gagné? Donc là, voilà, ça, c'est mon clan. Et voilà, ça, c'est une petite attaque. Hein. Donc ça, c'est mon clan. Donc on va regarder une petite attaque. Allez, petite attaque pour la fin. Voilà. Donc voilà, là, on regarde une petite attaque de Clash Royale. Hein. Allez. Il sort le géant, il sort les gobelins. Donc les gobelins, ils sont pas trop mal. Hein, malgré qu'ils ont l'air pourris. Nul à chier, regardez comment ils font mal quand même. Hein. Bon, la Valkyrie, elle s'en fout, hein, des géants. Donc là, il y a le... Il va envoyer le prince, à mon avis. C'est possible qu'il envoie le prince. Bon, en tout cas, il peut envoyer un truc qui défonce tout. Ouais, il a envoyé le prince, comme je l'avais dit. Et il a encore son prince de niveau 1. Alors qu'il y en a qui ont le prince de niveau 4. Mais c'est super dur en fait à améliorer le prince parce qu'il se laisse pas faire le prince. C'est très dur à l'avoir surtout. Il faut l'avoir dans le camp d'entraînement et c'est super dur à avoir le camp d'entraînement. De l'avoir dans le camp d'entraînement bien sûr, hein. Pas d'avoir le camp d'entraînement. Hein. D'avoir le camp d'entraînement c'est tout con et c'est tout con à réussir aussi le camp d'entraînement. Hein. Si tu réussis pas le camp d'entraînement, va te coucher. Hein. Le camp d'entraînement du début. Hein. Si tu refais un camp d'entraînement, je peux vous dire que c'est très très dur. Donc là, la Valkyrie, elle a rien fait. Donc l'archer, là, bof, bof. Hein. Les archers, je peux vous dire, c'est bof, bof. Ça sert un petit peu à rien. Hein. Même si, bon, ça défonce quand même un tout petit peu. Ça défonce 100 points en moins. Donc moi, ce que je ferais à sa place, c'est au lieu d'attaquer tout le temps droit, c'est que j'attaquerai un petit peu sa tour. Donc là, je comprends ce qu'il veut faire. Il attire, en fait, des proies. Et hop, voilà, les gobelins se font avoir... vont tuer en sorte la tour et du coup on va voir qui va gagner ce combat qui a l'air très très bien mal parti pour les deux, très très mal parti pour les deux. Donc oui, et je ferai des vidéos sur ma PS4, je peux vous dire les amis, vous allez être heureux, je vais faire des vidéos sur ma PS4 du Black Ops 3, je vous l'ai dit, il y aura du Black Ops, il sera sur la chaîne secondaire et sur la chaîne première parce que ma première chaîne c'est du gaming et du gaming ça fait partie de Black Ops. Il y aura du MotoGP 14, parce que malheureusement, j'ai pas réussi à trouver MotoGP 15, ce qui est... Il était trop cher, 70€, je préfère avoir le 14. Il y en a qui ont encore le 13, alors que ça fait déjà 2 ans qu'on s'en fout, même plus. Ça fait déjà 3 ans qu'on s'en fout du 13. Moi, ça fait à peine 2 ans qu'on s'en fout du 14, et encore, il y a encore des gens qui s'utilisent du 14. C'est juste que dans le 15, il y a les Suzuki, quoi. Eh oui, dans le 15, il y a les Suzuki, comme cette année avec Maverick Vinales. Donc oui, je connais les pilotes de MotoGP, mais on va pas en parler. On n'est pas pour là, on est pour Clash Royale. Donc bon, je disais, donc voilà, donc je ferai une vidéo sur Slither.io bientôt. Parce que vous avez vu que Slither.io, ça manque un petit peu. Il commence à en avoir de moins en moins des vidéos. Comme vous avez vu, hier, il y a eu des vidéos, peu. Aujourd'hui, il n'y en aura qu'une. Parce que je n'ai pas trouvé le temps d'en faire plein. Et donc ça, c'était la dernière attaque avant de se quitter sur cette vidéo. Avec un... Bof, pack opening. Je pensais avoir autre chose, mais bon, c'était sûr. Hein.
Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la partager, la liker, mettre un commentaire, me dire ce qui vous a plu, hein. Voilà. Donc, ciao.